Je les aide dans tout ce qu'ils font, aussi bien le pain que les pâtisseries. Pourtant, je suis boulangère à la base, je suis pas pâtissière. Au départ, ils me faisaient essayer et ils me corrigeaient mes erreurs. Si je faisais quelque chose qui n'était pas bien, ils me faisaient corriger. Et bah, au fur et à mesure, j'ai appris à aussi bien la boulangerie que la pâtisserie allemande. C'est une boulangerie familiale qui confectionne beaucoup de pâtisseries et des pains spéciaux traditionnels allemands. Leur façon de faire, c'est complètement différent de la nôtre. Et par exemple, nous, en France, on mouille pas du tout les pains et eux, ils les mouillent tout le dessus. Pareil, on les met pas en moule comme ça et on les façonne pas comme ça. On n'a pas l'impression d'être en stage, on a plus l'impression d'être... c'est une sorte de lien familial plus. Plus qu'un lien de travail en fait. C'est pas mal, j'aime bien. Au début c'est pas facile parce que voilà, il y a l'appréhension, il y a... Moi je connaissais pas forcément le métier de boulanger, je suis plus pâtissier, mais on apprend et ça se passe très bien. Dieses Austauschprogramm geht zurück auf einen Austausch zwischen Bäckerlehrlingen der französischen Bäcker und der deutschen Bäcker. Wir haben also hier in Bautzen 7 Bäckereien gefunden, die daran Interesse haben. Die waren sehr daran interessiert, einmal um die französische Produktion kennenzulernen und deren Produkte. Und umgekehrt waren natürlich die französischen Bäckerlehrlinge interessiert, zu schauen, wie das in Deutschland funktioniert. Je commençais à 4h du matin et après je finissais quand ça se finit, quoi. Donc j'ai des fois fini à 9h, à 10h, à 11h, 11h30. Et j'avais 2 jours de repos. J'avais le dimanche, comme le magasin est fermé, et j'avais le lundi. Pour moi, vu que je cherche surtout à améliorer le CV, à faire un bon CV, un truc qui tienne bien, je me suis dit qu'à l'étranger, c'était la meilleure solution. Ça permet justement d'ouvrir différentes portes et pas seulement voir le côté faire du pain ou des gâteaux, mais aussi une découverte des autres et d'avancer dans leur vie, quoi. Au départ, il m'a demandé si c'était possible que je fasse des baguettes françaises. Bah, moi, je me suis dit, bon, pas de problème, c'est quelque chose que je maîtrise. Ils ont beaucoup regardé comment je faisais. Mais bon, ils avaient un problème, ils veulent absolument enlever toutes les bulles dans les baguettes, alors que nous, bah, il nous faut les bulles, quoi. Paris-Brest, Spezialität aus Frankreich, die hat Miguel vor unseren Augen zubereitet und die waren auch am ersten Tag verkauft, alle. Von daher, eigentlich haben wir nur Gutes gelernt von Miguel. Je me dis que j'aurais quand même réussi à tenir un mois en Allemagne. Moi qui parle pas du tout allemand. Du coup, bah, on fait voir, on fait des gestes, on mime. Par le biais des professions, on découvre pas mal de cultures, de mentalités différentes. Et comme ça, on peut rentrer facilement dans l'interculturalité. Ça veut dire interculturalité, apprendre par la culture et par le fonctionnement de l'autre comment la vie quotidienne se déroule dans l'autre pays. Wir konnten viel von ihm lernen. Er hat viel von uns gelernt, was Neues. Ja, wir hatten zusammen Baguettes gemacht, er hat Marzipanfiguren uns gezeigt. Parce que tout le monde peut venir ici, c'est juste de la motivation en fait. Wir waren angenehm überrascht über diese, dass sowas überhaupt zustande kommt, dass Leute aus Frankreich hierher kommen und uns bei der Arbeit beobachten wollen und der Austausch überhaupt. Die Sprachbarriere war zwar, aber durch Hände und Füße und Pantomime kann man wunderbar sich verständigen. Wir haben viel gelacht, wir hatten viel Spaß. Das ist also eine ganz tolle Geschichte. Hier haben die Lehrlinge Spaß gehabt, was sehr selten ist. Auch auf die Bäckereien, die haben ja also ganz viel Freude an dieser Geschichte gehabt. Das war also ein gegenseitiges Geben und Nehmen bei der Arbeit und beim Kennenlernen der Produktion. Nous avons des jeunes de différents horizons, de formation professionnelle, donc ce sont des bacs pro, des BEP et également des BTS. Nous favorisons la mobilité, nous espérons que ces jeunes seront amenés à repartir en Allemagne, à apprendre l'allemand de façon plus intensive et éventuellement de faire une autre expérience dans un autre pays. Bravo, bravo, bravo. Ça c'est une très bonne attestation. Si éventuellement vous voulez revenir en Allemagne ou même travailler dans une autre boulangerie, vous n'hésiterez pas à représenter ce document. C'est quelque chose de très très précieux. Wir sind sehr traurig, dass wieder geht. Ich würde mich sehr freuen, wenn diese Beziehung weiterhin bestehen würde. Und ich bin bestimmt einer der Letzten, die da Nein sagen würden. Et vu que c'est pas du tout pareil qu'en France, je me suis dit en plus ça va me changer un peu. Et je regrette pas d'être venu. C'était super. Que s'il faudrait le refaire, je le ferais sans problème. C'est une expérience formidable. On apprend énormément de choses et les patrons sont vraiment très très accueillants. C'est vraiment super.